Yo les amis, c'est Morlam, comment ça va? Moi ça va super et on est parti pour une nouvelle vidéo tirage, donc cette fois-ci sur le compte de Datko. Et bien il m'a proposé de faire le commentaire sur son tirage, donc il a déjà fait, donc moi je suis juste là pour commenter la vidéo. J'ai fait un peu de montage avant puisqu'il y avait même pas mal de passages avec du chat, enfin autre chose qui n'était pas forcément en rapport avec le rôle. Donc là, en deux parties de la vidéo, donc la première partie où il y aura le rôle des 25 000 gemmes et la deuxième partie où il y aura en fait la génération numérique, donc environ une trentaine de chances j'avais vu. Donc voilà, j'ai tout mis ensemble, j'ai fait ça en deux parties, donc rôle et génération numérique. Donc là, eh bien, on va passer tout de suite au rôle. Donc je n'ai pas tout regardé, je connais les quelques héros qu'il a obtenus, mais je suis loin d'avoir regardé tout le rôle parce que c'est quand même assez long, donc j'avais quand même envie de le faire, enfin de garder le suspense pendant la vidéo. Donc voilà, à part les 2-3 tirages que j'ai vus pendant le montage, clairement j'ai quasiment rien vu par rapport au contenu. Enfin donc voilà, allez c'est parti pour le tirage. Donc allez, direction Hôtel des Héros, donc là, c'est parti. Pour un premier 450 avec un champion gélatineux, une goutte et un loup-garou. Donc pour l'instant, que des bleus, que du basique, assassin, bourreau, panda, démon des glaces, triton, enfin donc voilà, pour l'instant, c'est que du basique. Reine spéciale pour l'instant et un cupide, donc lui je l'avais pas vu encore. Donc cupide qui vient de tirer, je ne sais pas s'il a évolué, mais déjà plutôt bon. Héros pour commencer. Donc là, il a dépensé pour l'instant 3200 gemmes, ça va très vite quand même. On s'en rend pas compte, mais ça part vraiment très vite les gemmes. Donc là, bourreau, des bourreaux, des bourreaux. Un triton, une goutte de cristal. Donc sa technique, c'est quand même c'est 150, 150, 450 en général. Donc là, 150, 1450. Ouais, il fait alterner quand même. Bon, franchement, pendant un moment, je faisais pas de 450 parce qu'en fait, ça gardait le suspense. Bon, maintenant, j'en fais plein parce que bon, voilà. Ah, un ninja. Donc, un ninja, bon, légendaire, mais pas très recherché non plus. Donc, comme d'hab, goutte de cristal. Ah, gélatineux. Triple champion. Bon, triple champion, triple légendaire. Deux gélatineux et un normal. Donc, une goutte, une dryade. Oh, il a tiré sucre d'orge. Ah, d'accord. Bon, bah, nouveau héros. Super. Et attends, faut qu'il me prête son compte pour que je fasse un gameplay. Ah, faut que je lui demande. Donc, sucre d'orge, donc super pour lui. Alors, je ne sais pas quel talent elle a, mais en tout cas, c'est nickel. Donc, juste à la main, en fait. Il tire sucre d'orge et une sirénia. Donc, il m'a dit qu'il ne l'avait pas non plus. Donc, voilà, ça fait 20 000 frags d'économiser toujours. Bon, honnêtement, sirénia, c'est pas un plan. Enfin, c'est pas un plan, faut pas l'acheter en fragment. Clairement, il vaut mieux l'attendre de la tirer parce que c'est vraiment pas ce qu'il faut acheter. Donc là, assassin, chaman, comme d'habitude, bourreau, assassin, loup-garou, violet, bleu, vert, une cause de cristal. Ah, un immortap. Donc là, pareil, héros à 7500 fragments. Dryade, des chamans, donc démon des glaces, bourreau. Donc pas mal de tirages à 450 quand même. Donc là, plus que 5000 gemmes, donc ça veut dire qu'il a déjà écoulé 20 000 gemmes dans le tirage. Le garou, reine serpent, donc là, ah, il tire un duc citrouille. Donc bon, on va dire que c'est quand même un tirage plutôt chanceux globalement. Donc duc citrouille, cupide, immortap, sirénia, n'y a qui d'autre? Sirénia, immortap, duc, cupide. Un champion, un ninja. Bon voilà, quelques légendaires quand même. Et... What? Double compte vampire. Et deux comptes vampires. Voilà, j'ai fait la liste. Ouais quand même. Ouais bah franchement. Je pense qu'il a dû faire une de ses gueules quand il a vu double Vlad. Alors Vlad, c'est un héros qu'il avait pas en plus. Donc... Imaginez, c'est un héros que vous n'avez pas. Imaginez, vous n'avez pas de duc citrouille et d'un coup, boum, deux ducs. Alors là, je pense que vous êtes refait toute votre vie. Bon, bah, tirage quand même assez, même très chanceux. Donc, double Vlad, un cupide, un champion, un duc citrouille. Donc, franchement, très beau tirage pour 25 000. Franchement, GG à lui. Donc là, bah, on finit avec les chances, les générations numériques. Donc, le but.
est très simple, c'est vous avez une chance à chaque fois de générer, je crois que c'est par 1000 gemmes achetées, alors je suis pas sûr du tout mais je crois que c'est ça. Donc par 1000 gemmes achetées, eh bien vous avez une chance de générer un chiffre. Et avec ce chiffre, eh bien vous aurez à la fin de l'événement eh bien une chance de gagner soit par exemple là vous voyez juste en bas donc Goulême, Barbe Blanche, un signe, des gemmes ou des fragments. Bon, là déjà à chaque génération vous gagnez des récompenses, donc là 300 insignes, etc. Donc 20 gemmes, bon, c'est pas des grosses récompenses, mais bon, c'est mieux que rien, c'est mieux que rien. Donc 50 mérites, bon, tiens, je l'ai MP. C'est moi qui l'ai MP, voilà. Je fais la vidéo, mais je l'ai MP en même temps, c'est logique. Enfin, donc voilà, donc je vous laisse regarder les quelques dernières générations. Donc, petite parenthèse. Si vous avez également envie que je fasse les commentaires de vos tirages ou que je fasse carrément vos tirages en live, eh bien n'hésitez pas, envoyez-moi une petite demande sur Facebook, donc c'est Mirolime Gaming YouTube, je mettrai dans la description, pardon. Donc voilà, allez, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!